Bonjour à tous, voici le bulletin de ce jeudi 24 novembre en soirée. Les conditions vont s'avérer anticycloniques sur la France, mais pas suffisamment pour nous protéger totalement des perturbations, puisque quelques fronts atténués parviendront à aborder les côtes de la Manche. Ce jeudi, les températures ont été tout juste positives sur la Lorraine, avec seulement 1 degré à Épinal et sur Nancy. Alors pour demain matin, une perturbation de très faible activité arrivera par le nord-ouest. Elle apportera de faibles pluies, bruines, sur les régions proches de la Manche et de la Bretagne. Prudence également, des brouillards denses et parfois givrants sont attendus du nord-est au centre-est. Ailleurs, le soleil se montrera généreux dès le lever du jour. Température minimale en baisse, attention aux gelées du nord-est au Valais d'Auvergne et au nord du Rhône-Alpes, avec de 1 à moins 3 degrés, de 1 à 5 degrés ailleurs et jusqu'à 9 à 14 degrés le long du littoral. Pour demain après-midi, ciel toujours nuageux de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, avec de petites pluies éparses. Ailleurs, le soleil brillera généreusement. En soirée, la perturbation se décalera vers le sud et l'est, avec de faibles précipitations. Côté maximal, on reste légèrement au-dessus des normales de saison, avec 6 à 10 degrés sur le quart nord-est, localement moins sur les grisailles tenaces. De 10 à 15 degrés sur la moitié ouest, avec parfois un peu plus sur l'océan. Et de 15 à 18 degrés vers les régions méditerranéennes. La tramontane faible le matin se renforcera un peu l'après-midi et deviendra modérée et assez forte. Vendredi, nous fêterons les Catherines. Le soleil se lèvera à 8h13 et se couchera à 17h03. Si vous désirez plus de précisions sur votre commune, vous pouvez consulter notre site internet sur www.agap-france.com ou appeler nos répondeurs au 08 92 46 38 36. Passez une excellente soirée.